Prions que tu ouvres nos yeux pour contempler les merveilles dans ta parole ce soir. Bénis ton peuple au nom de Jésus. C'est au nom puissant de Jésus nous prions. Ce soir, nous considérons Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Nous voyons ici, le Seigneur, il nous a créés pour un service. Nous sommes sauvés pour servir. En réalité, toute la création, la terre, le sol, les plantes, les épis, les fruits, les arbres, toutes choses. Toutes ces choses servent l'humanité. Pensez aux animaux, les reptiles et toutes choses qui rampent sur terre. Et toutes ces créatures dans la mer, les poissons ont été créés pour rendre service à l'homme. Pensez à tous les métaux que nous utilisons dans nos camps ou bien dans n'importe quel domaine pour fabriquer les avions. Tous ces métaux ont été créés pour servir l'humanité. Ainsi, vous comprenez que tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour le service. Tu as été créé pour servir Dieu. Ces choses ont été créées pour servir Dieu, pour servir les hommes. Les animaux servent l'homme et l'homme sert l'homme. Les saints de Dieu, les enfants de Dieu servent Dieu et servent également l'homme. L'Église sert Dieu et doit également servir le monde. Toute chose rend service chaque jour. Ils ne cessent pas leur service, ils ne remettent pas leur service à plus tard. Tout ce que Dieu a créé sert tous les jours. Ils servent de manière quotidienne, de manière appropriée, de manière constante. Il n'y a pas un temps où d'être tellement morose, d'être tellement découragé. Et parce que nous sommes découragés, maintenant, le soleil, et que le soleil dit, moi, je ne peux pas briller aujourd'hui. La lune dit, oh, je ne peux plus briller aujourd'hui. Mais, et que les végétations disent, non, nous ne pouvons rien faire. Même les animaux, non. Toute chose sert Dieu chaque jour. Et sert Dieu de manière appropriée et de manière constante, de manière profitable. Maintenant, quant à nous, les enfants de Dieu, nous avons été amenés dans le royaume en de temps pareil pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Notre service a une valeur éternelle et Dieu récompensera chacun de nous dans l'éternité au nom de Jésus. Voyez ce verset, vous devez le marquer dans votre Bible. Dans Psaume 104, chapitre 104, verset 14. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme. Les plantes, les épis, les fruits, tous les végétaux. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Ainsi, si toute chose sert chaque jour de manière appropriée, de manière constante, de manière positive, et sert de manière appropriée, nous également, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à servir. Ce soir, nous considérons le message intitulé « Le service quotidien des croyants à valeur éternelle ». Le service quotidien des croyants à valeur éternelle. Nous considérons trois points dans ce message. Premier point, l'expérience sanctificatrice des serviteurs approuvés en Christ. Deuxième point, la dépense sérieuse des serviteurs établis de Christ. La dépense sérieuse des serviteurs établis
de Christ et enfin les exploits des saints dans le service récompensé pour Christ. Le service récompensé, un type de service qui a vraiment un prix, une récompense, une valeur et a une grande récompense. Les exploits, troisième point, les exploits des saints dans le service récompensé pour Christ. Nous revenons dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. L'expérience sanctificatrice des serviteurs approuvés en Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, les compassions qui nous sauvent, qui nous bénit, les compassions qui nous donne le titre d'héritier dans le ciel. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Votre corps doit être vivant. Vos mains sont vivantes, votre cerveau est vivant, vos yeux sont vivants et votre bouche active, est vivante. Vous devez être vivant afin de pouvoir servir le Seigneur. Vous êtes physiquement vivant. Ce n'est pas que vous êtes physiquement vivant, mais vous êtes aussi spirituellement vivant. Vous n'êtes pas un sacrifice mort, mais un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je prie que votre service soit un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je voudrais que vous considériez quelque chose dans les deux passages que nous venons de lire. Numéro 1, le mot que nous voyons, c'est le mot vivant. Comme nous avons la vie éternelle venant de Christ, il nous rend la vie, il nous rend vivant. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit que le pécheur est mort. Vous étiez mort dans vos péchés. Lorsque Christ vient maintenant, il nous lave dans le sang de Jésus. Il nous purifie et il nous vivifie et nous devenons vivants. Maintenant, il nous dit que nous devons naître de nouveau. C'est lorsque nous sommes nés de nouveau que nous devenons vivants. Voyez le deuxième mot là. C'est agréable. C'est raisonnable. Un culte raisonnable, raisonnable. Il y a un type de service qui est raisonnable, acceptable. Oui, il y a également le type de service qui n'est pas acceptable. Voyons Lévitique. Lévitique chapitre 22. Lévitique chapitre 22, verset 20. Vous cherchez à rendre un service, un culte raisonnable à Dieu. Lévitique chapitre 22, verset 20. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne serait pas agréée. Elle ne serait pas agréée. Elle ne serait pas acceptée si elle a un défaut. C'est pourquoi nous allons au calvaire. C'est pourquoi nous sommes lavés et purifiés dans le sang de Jésus, afin qu'il puisse enlever toutes les tâches de nos vies. Je prie qu'il lave chacun de nous. Et notre service sera agréable aux yeux de Dieu au nom de Jésus. Repartons dans Romains chapitre 12, verset 1. Le mot qui suit que nous cherchons, c'est le mot raisonnable. Le service, le culte raisonnable. Le culte raisonnable, cela veut dire que quelqu'un qui rend service et qui n'est pas raisonnable, ils donnent la meilleure partie de leur vie au monde et ils offrent la particule partie de leur vie et ils ne donnent rien à Dieu. Dieu est puissant, il est tout puissant et parce qu'il est puissant et grand, tout ce que nous lui offrons doit être grand, doit être quelque chose de valeureux. Voyons ce verset dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 6. Actes, chapitre 6, verset 12. Les douze convoquaient la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Il n'est pas convenable, ce n'est pas raisonnable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables.
Il nous dit que Dieu nous a donné la parole. Il nous a confié la parole et d'y aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création et enseignez-les, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les enseignants à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est le commandement primordial, primaire qu'il a donné à ses disciples. Il dit, il ne serait plus convenable, raisonnable de laisser de côté la prédication de l'évangile et de nous laisser aux tables, de servir aux tables. Il n'a pas dit que ce n'est pas important de servir aux tables, non. C'est important. C'est pourquoi ils ont dédié Étienne et les autres pour vraiment s'occuper de cela. Ce que le Seigneur veut faire ressortir ici, c'est que tu dois connaître ta mission principale. Tu dois connaître ton appel principal et qu'il n'est pas convenant de laisser ton appel principal pour te consacrer à d'autres choses. Ces autres choses peuvent être bonnes, mais elles vous arrachent et vous éloignent de votre appel principal. Ce n'est pas un service raisonnable. Repartons dans Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Si votre service doit porter du fruit, si notre service doit être profitable, si notre service doit être raisonnable et acceptable aux yeux de Dieu, ce service ne doit pas être conforme au siècle présent. Pourquoi? Voyez 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 19. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Si notre service se conforme à ce monde et que nous servons Dieu avec la stratégie, avec l'état d'esprit du monde, c'est une folie devant Dieu. Alors il dit, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Leur ruse, leur séduction, c'est le monde. Si notre service est conforme à ce monde, ce service sera rusé, ce service sera insensé aux yeux de Dieu. Ne vous conformez pas à ce monde. Dans Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Il dit, il doit voir la transformation. Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si quelqu'un doit servir le Seigneur, et qu'il doit servir le Seigneur de manière agréable, il doit avoir la transformation dans sa propre vie. Comment cela arrive-t-il? Comment cela se produit-il? Dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, vous contemplez toujours, chaque jour, toujours la gloire de Dieu pour mesurer votre propre vie, pour comparer votre propre vie. Et dit, comme nous servons le Seigneur, si le service doit être acceptable, si le service doit être un service vivant, si notre culte doit être raisonnable, si notre culte ne sera pas conforme au monde, ce service, nous devons d'abord contempler, nous devons toujours contempler le Seigneur comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Chaque fois, nous contemplons pour dire, ah, y a-t-il quelque chose à renouveler? Y a-t-il quelque chose à être réparé? L'Esprit travaille chaque jour, chaque moment. Et ainsi, nous sommes conditionnés pour rendre au Seigneur un service profitable et raisonnable. Revenons dans Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Renouvelle ton intelligence. Notre intelligence doit être renouvelée, parce que notre intelligence conçoit nos pensées. Ainsi, nos pensées sont renouvelées, notre imagination est renouvelée, et nos planifications sont renouvelées, notre projection est renouvelée, parce que nos pensées, notre intelligence est renouvelée. Éphésiens au chapitre 4, verset 23. Éphésiens chapitre 4, les versets 23 et 24. Éphésiens au chapitre 4, verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon
Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il le fera, c'est ce que Dieu veut, il le fera dans notre vie. Il a déjà fait et il le fera davantage dans nos vies au nom de Jésus. Est-ce que vous avez constaté que la plupart des choses ne nous servent pas bien dans leur état naturel, dans leur état rude, tout ce qui a été créé pour nous servir. Mais ces choses ne nous servent pas dans leur état rude, dans leur état naturel. Voyez les épis, les fruits dans le champ. Voyez tout ce que nous prenons dans les champs. Nous ne commençons pas par les manger immédiatement. Ils sont crus, mais nous devons les rendre comestibles, consommables. Voyez la viande, vous avez la viande. Si vous prenez la viande, vous devez faire quelque chose avant que cette viande ne devienne comestible. Quelque chose doit être fait. Il y a une transformation. Quand vous préparez la nourriture, il y a une transformation. Quand vous préparez cette viande, il y a une transformation. Vous voyez, les fers et tout ce que vous déterrez de la terre, vous ne pouvez pas commencer à les utiliser, à les mettre ensemble et que vous avez une maison, vous avez une voiture. Vous devez travailler sur les matières premières. Les choses premières ne nous servent pas juste à ce qu'elles passent par le processus de transformation, le processus de raffinement. Et ainsi, elles sont rendues dignes pour nous servir. Pensons à nous-mêmes. Regardez nos pieds, nos cerveaux, notre cœur. Le cœur est là, mais dans l'état naturel, dans l'état rude, ce cerveau ne servira à rien, ces choses ne serviront à rien, jusqu'à ce qu'il passe par le processus de transformation. Vous voyez les habits, mais tout le monde ne peut pas se mettre à coudre les habits, mais les doigts, les mains doivent être formés. Voyez les athlètes qui courent, nous avons les mêmes pieds que ces athlètes-là. Mais juste à ce que nous soyons formés, les pieds de première nature ne pourront rien faire. C'est pourquoi il dit, l'homme dans son état naturel, l'homme est rude, l'homme il est non qualifié, il est indigne de servir Dieu, de servir l'humanité sans la formation, sans l'apprentissage, sans la transformation, l'homme ne pourra rien faire. Je pense que vous savez qu'il y a certains qui sont même membres de l'église, ils veulent servir le Seigneur. Et ils disent, moi, je n'ai pas besoin d'aller aux réunions des leaders le mardi. Je n'ai même pas besoin d'aller à la réunion des ouvriers le samedi. Parce que ça prend du temps. Mais je veux servir Dieu. Mais ils ne veulent pas que leur matière première passe par le processus de formation afin qu'ils puissent servir le Seigneur. Une chose, un élément. Les éléments naturels de la terre ne pourront rien servir sans la conversion, sans la transformation. Rien, aucun de ces Égyptiens ne pourrait servir à quoi que ce soit avec le peuple d'Israël. Nous devons passer par cette transformation, nous devons passer par cet enseignement, nous devons passer par la formation. C'est alors que nous devenons capables dans le service du Seigneur. Et nous servirons le Seigneur au nom de Jésus. Voyez ce point dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, amen, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous considérons 2 Timothée chapitre 2, verset 19. 2 Timothée chapitre 2, verset 19. 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur fasse quoi? Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Est-ce que vous pouvez servir le Seigneur sans mentionner le nom de Christ? Quand vous chantez, vous mentionnez le nom de Christ. Dans ce chant, vous priez. Vous êtes peut-être, vous priez, vous êtes un guerrier de prière.
En priant, vous mentionnez le nom de Christ. En prêchant, vous mentionnez le nom de Christ. Peut-être vous invitez quelqu'un, vous êtes un évangéliste, vous mentionnez le nom de Christ, vous invoquez le nom de Christ. Dans tout ce que vous faites, votre service vers le Seigneur, votre service vers l'Église, vers l'humanité, vous mentionnez, vous invoquez le nom du Seigneur. Et il dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il y a une purge, il y a une sanctification, de sorte que nous ne restons pas avec la matière première que nous avons, le cerveau rude, non transformé que nous avons. Vous voyez, le cerveau, même le chantre, vous voyez, le chantre, sans, avec la voix naturelle, il ne peut pas vraiment rien faire. Les pianistes, tous ceux qui jouent, sans vraiment passer par la formation, ils ne pourront pas bien manipuler leurs doigts. Maintenant, ici, il dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Vous serez propre à toute bonne œuvre au nom de Jésus. Quelque chose doit revenir à la vie en vous. Et les choses qui ne contribuent pas à notre service au Seigneur, ces choses doivent mourir afin que la formation, la transformation soit vraiment définie dans notre vie et nous servirons le Seigneur. Jean chapitre 12, verset 24. Jean 12, verset 24. Jean 12, verset 24. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Nous pouvons voir, Jésus dit, il parle à ses disciples, il dit, le grain de blé doit tomber en terre et alors mourir. C'est alors qu'il pourra germer pour apporter beaucoup de fruits. Dans ce verset 24 de Jean chapitre 12, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous porterez beaucoup de fruits. Mais quelque chose doit mourir en vous. L'orgueil doit mourir. L'exaltation de soi doit mourir. Je n'entends pas un bon amen. Verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui aime sa vie la perdra. Vous savez, d'autres personnes disent, je ne peux pas sortir après 18 heures. Si je vais à la réunion, on va finir la réunion autour de 20 heures pour que je revienne à la maison. Moi, je ne conduis pas le véhicule, la moto, la nuit. Et à cause de cela, moi, je ne peux pas vraiment œuvrer. Dieu merci, vous n'êtes pas de ce type-là. Je dis Dieu merci, vous n'êtes pas de ces personnes-là. Le Seigneur récompensera votre sacrifice au nom de Jésus. Parce qu'il dit, si tu aimes ta vie, tu la perdras. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Rien de mauvais n'arrivera à votre vie. Donnez cette vie à Christ, sacrifiez cette vie pour Christ et le Seigneur bénira votre service au nom de Jésus. Verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. C'est vraiment une grande récompense. Il dit, là où je suis, où est-il maintenant? Où allez-vous? Vous allez là-bas. Vous êtes en train d'aller là-bas. Continuez à servir le Seigneur. Et là où il sera, aussi là où il est, cela sera son serviteur. Si quelqu'un me sert, d'autres attendent la révélation. Si quelqu'un me sert, d'autres attendent un rêve. Si quelqu'un me sert, d'autres attendent un type de vision visible d'une révélation palpable pour que je dise, ah, j'ai vu ceci avant de servir le Seigneur. Non. Et si quelqu'un me sert, cette opportunité est pour quiconque. Et moi, je me présente que je servirai le Seigneur jusqu'à la fin. C'est pour n'importe qui. Présente-toi au Seigneur et ton service sera agréable au nom de Jésus. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Père l'honorera. Il le dit dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1 verset. Luc 1 74. Luc 1 74. Luc 1 74. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis,
de le servir sans crainte. Vous voyez, d'autres ne comprennent pas la raison pour laquelle Dieu les a délivrés. Il nous a délivrés de Satan afin que nous puissions le servir. Il nous a délivrés de nos ennemis afin que nous puissions le servir. Il nous a délivrés même de la maladie pour que nous puissions le servir. Il nous a délivrés de toutes ces choses qui nous liaient dans le passé pour que nous puissions dire gloire à Dieu, je suis guéri, gloire à Dieu, je suis sauvé, gloire à Dieu, je suis maintenant affranchi. Pourquoi? Afin que nous puissions le servir sans crainte. Pourquoi vous devez le servir? Il vous a délivré et il va continuer de vous délivrer. Nous sommes délivrés pour le servir et pour accomplir l'objectif de cette délivrance, c'est de dire tout ce qui va rendre votre vie à ne pas être ce qu'elle devait être, le Seigneur va vous en délivrer. Voyons, il dit de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice. Pour combien de jours? Dites-moi, pour combien de temps? Vous allez servir le Seigneur tous les jours. Vous servirez le Seigneur tous les jours de votre vie au nom de Jésus. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 28. Servir le Seigneur. D'autres disent que Paul était vraiment fort. C'est pourquoi il a servi le Seigneur. Vous savez, ses apôtres, ils avaient vraiment une posture, ils avaient vraiment une conscience forte. Mais Paul dit non, pas du tout. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et vous, vous devez être ce que vous devez être par la grâce de Dieu. Et cette grâce est là pour toi et pour moi. Et nous servirons le Seigneur au nom de Jésus. Hébreux chapitre 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Tout est pas grâce, tout est grâce, tout est grâce. Tout ce que le Seigneur t'a appelé, tout ce à quoi le Seigneur t'a appelé, vous pouvez vous sentir petit, vous pouvez vous sentir incapable, vous pouvez vous sentir ignorant, mais la grâce du Seigneur sera suffisante dans votre vie. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Ayons la grâce, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Il vous amènera à rendre un culte agréable tout au long de votre vie au nom de Jésus. Maintenant, comme la responsabilité s'augmente dans votre vie, la grâce de Dieu va s'accroître dans votre vie également au nom de Jésus. Abordons le deuxième point à présent, c'est la dépense sérieuse des serviteurs établis de Christ. Des serviteurs établis de Christ. Voyons Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 6. Romains chapitre 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, vous n'êtes pas une exception, il y a une grande grâce abondante qui vous est donnée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Maintenant, comme nous considérons ces versets, nous voyons au commencement du verset 6, on dit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Il parle des dons, nous avons besoin des dons pour que ces dons puissent nous aider à servir le Seigneur de manière agréable, servir l'Église de manière profitable et servir le monde de manière profitable et de manière adéquate. Voyons numéro 1, c'est identifier votre don. Vous voyez là, il parle maintenant de la prophétie, c'est la prédication, la prophétie. Maintenant, il parle de la foi, il parle du ministère, il parle de l'enseignement, il parle de l'exhortation, il parle de la libéralité, il parle de la présidence, de l'administration, et il parle également de la miséricorde et du don. Pourquoi identifie ton don? Pourquoi? Parce que il y a différents types de dons.
Numéro 2, il y a une grâce définie, une grâce qui vous définit. Il y a une grâce qui vient pour accompagner ce que Dieu vous donne et vous rend ce que vous devez être. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Pourquoi ne pas vous tenir sur ce fondement? Ce que vous devez être, comme vous découvrez votre don, comme vous identifiez votre don, maintenant la grâce pour vous rendre capable, pour que vous puissiez être ce que vous devez être. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Numéro 1, il y a différents types de dons. Identifiez votre don. Numéro 2, il y a la grâce définie. Numéro 3, faire du bien. Peu importe ce que vous avez, tout ce que vous avez, le don que vous avez, la grâce, l'expérience que vous avez, la formation que vous avez, faites du bien, faites du bien, faites du bien aux yeux de Dieu, faites du bien à l'église de Dieu, faites du bien aux gens du monde. Lorsque vous prêchez l'évangile, lorsque vous avez des gens à Christ, lorsque vous les amenez à abandonner le monde et rester en Christ, à venir à Christ, vous allez continuer à faire le bien dans votre vie au nom de Jésus. Galates chapitre 6, 9 et 10. Galates chapitre 9, Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Vous ne serez pas fatigués. Vous ne serez pas découragés. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, faisons quoi? Pratiquons quoi? Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons quoi? Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Ainsi, nous voyons numéro 1. C'est identifie ton don. Quel est ton don? Après avoir identifié le don, il faut comprendre les différents types de dons. Il y a la grâce qui vous définit, la grâce définie. Lorsque vous faites ces choses, vous faites du bien également. Le numéro qui suit, c'est améliorer votre don. Quelqu'un a vraiment un couteau ou bien un coucou, il doit vraiment aiguiser cela. Quelqu'un a sa Bible, il doit lire la Bible. Quelqu'un a les concordances, il doit utiliser les concordances. Quelqu'un a des commentaires, il doit maintenant exploiter ces commentaires-là. Quelqu'un a l'opportunité, il a été sélectionné, il a été établi pour être un ouvrier, pour être un dirigeant. Tu dois vraiment t'améliorer, améliorer le don. Numéro 1, identifie ton don. Numéro 2, c'est quoi? C'est améliorer le don. Venons dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 6. Romains chapitre 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. L'exerce selon l'analogie de la foi. Numéro 1, nous voyons la foi proportionnelle. La foi proportionnelle. Ne permettez pas à ce que votre don... Ne permettez pas que votre don soit dormant en vous. Que le don sorte, que le don s'éveille en vous. Pour que vous puissiez l'utiliser. Quand vous l'utilisez, il s'augmente. Si vous ne l'utilisez pas, vous le perdez. Voyons dans 2 Timothée chapitre 1, verset 6. 2 Timothée chapitre 1, verset 6. 2 Timothée chapitre 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Ranime le don, que tout ce que tu as reçu soit toujours disponible. Comme tu le fais, comme tu utilises le don chaque jour, tu seras en train d'améliorer, d'amplifier, de perfectionner ce don-là. Et dit, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Selon la proportion de la foi, rassurez-vous que votre foi aujourd'hui est plus élevée que votre foi hier. Que la foi, votre foi demain est plus grande que la foi d'aujourd'hui. Voyons dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, verset 5. Luc chapitre 17, verset 5. Les apôtres
dire au Seigneur, augmente-nous la foi. Le don est présent, mais tu dois permettre à la foi de te rendre capable d'utiliser ce don. Le doute va, la foi va dissiper le doute. Quand votre foi augmente, votre l'habileté, la capacité de votre don va s'augmenter. Voyons Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 7. Romains 12, verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Qu'est-ce que cela veut dire? Focalisons-nous sur le ministère. Le don que tu as et le ministère que tu as reçu, exerce ce don-là. Attends-toi, attache-toi, considère ce ministère et rassure-toi comme tu es concentré. Plus tu l'utilises, plus que vous l'utilisez, plus que vous utilisez ce don, vous allez augmenter, vous allez croître, vous allez parfaire l'utilisation de ce don-là. C'est pourquoi l'apôtre dit dans Actes des Apôtres chapitre 6, Actes chapitre 6 verset 4, et nous continuerons à nous appliquer à la parole et au ministère de la parole. S'attacher au ministère, se concentrer sur le ministère. Vous n'êtes pas celui qui est ballotté de ci, de là, et vous êtes là et pour un mois. Après, vous êtes, je pense que je peux mieux faire maintenant. Et vous allez encore dans une autre session. Et vous êtes là.
la prophétie selon l'analogie de la foi. Il y a d'autres qui disent que la tête possède tous les dons. Alors les mains sont non importantes. Ils pensent que la tête a tous les dons et que les pieds sont là, statiques, ne peuvent plus marcher, que la tête a tous les dons. Alors les poumons ne peuvent plus respirer. Nous devons utiliser nos dons. Il n'y a aucune partie du corps, même le petit doigt, même la langue, même les petits orteils ont une raison pour laquelle ils sont placés dans le corps. C'est membre du corps. Peu importe ce que vous avez, vous serez utile. Moi, je serai utile. Je suis utile. Répète-le pour toi, mais je suis utile. Je ne suis pas inutile dans le corps de Christ. Maintenant, impactez votre don. Soyez un pont et non une barrière. D'autres sont en train d'avancer. Ils veulent atteindre l'autre bord. Ils doivent avoir quelque chose de bon. Soyez un pont et non une barrière. Soyez une porte d'entrée et non une porte de sortie. Une porte de sortie. Maintenant, une porte d'entrée pour ceux qui viennent, comme ils vous rencontrent, et que vous exercez votre don. Votre don doit servir à les aider à vraiment vouloir aimer entrer. Soyez une porte d'entrée et non une porte de sortie des gens. Personne ne rétrogradera à cause de toi. Soyez une aide, soyez une aide et non une barrière et non un blocage. Maintenant, comme nous œuvrons selon la proportion de notre foi, nous serons une aide pour les autres et non un obstacle. Soyez une pierre d'avancement et non une pierre de blocage pour les autres. Ne permettez à personne de chuter, de tomber à cause de vous, ou bien en les méprisant en disant que fais-tu là-bas, quitte ma voie. Quand ils viennent dans l'église du Dieu vivant, ils veulent servir le Seigneur. Vous devez être un encouragement, vous devez être un point d'ancrage pour eux. Soyez un bâtisseur et non un destructeur. Un bâtisseur et non un destructeur. C'est ce que je veux être. Je dis, c'est ce que moi je serai. Nous abordons le troisième point maintenant. Les exploits des saints dans le service récompensé pour Christ. Les exploits des saints dans le service récompensé pour Christ. Je lis pour vous dans Romains chapitre 12, verset 17. Romains chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien au-devant tous les hommes. Comme vous considérez ces versets-là, même du premier verset jusqu'à la fin, nous voyons là, il s'agit là des saints dans le monde. Comme vous lisez le verset 9, le verset 10, le verset 11, le verset 12, le verset 13, numéro 1, il n'y a pas de dissimulation, il n'y a pas de prétention. Vous êtes qui vous êtes et vous êtes transparent. Il n'y a pas d'hypocrisie. Numéro 1, il n'y a pas de dissimulation. Numéro 2, il n'y a pas de paresse, il n'y a pas d'indolence. Vous utilisez votre don, vous êtes actif, vous êtes disponible et vous êtes fervent dans ce que vous faites. Il n'y a pas de paresse, il n'y a pas d'égoïsme. Vous ne pensez pas seulement les choses pour vous-même. Et maintenant, vous préférez que les autres soient bénis. Vous n'êtes pas égoïste, vous êtes vraiment vendu au service. Vous êtes dévoué au service. Il n'y a pas de malédiction. Il dit, lorsque vous êtes persécuté, vous n'allez pas maudire. Vous bénissez ceux qui vous persécutent. Vous allez bénir toujours. Il n'y a pas d'orgueil, vous ne rabaissez pas les autres, vous ne marchez pas sur les autres. Il n'y a pas de l'exaltation de soi. Il n'y a pas d'exaltation de soi. Et vous n'allez pas avoir les sentiments, c'est-à-dire n'aspirez pas à ce qui est levé. Et quelqu'un fait quelque chose contre vous, il n'y a pas de contre-attaque, il n'y a pas de colère, de courroux, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de mal. Alors il dit... Ne soyez ceux-là qui triomphent contre le mal par le bien. Vous avez cette compréhension. Partout où vous allez, dans les lieux où nous travaillons, y a-t-il un saint là-bas? Y a-t-il un saint au marché?
C'est voilà ce qu'il doit faire. Maintenant, l'autre côté, c'est que vous, on présente ce que vous n'êtes pas. En tant qu'enfant de Christ, vous devez vous attacher à ce qui est bien. Vous attachez fortement à ce qui est bien. Vous attachez au bien. Faire le bien devient votre seconde nature. Si vous entendez quelque chose qui n'est pas correct, vous corrigez en même temps parce que le bien devient votre nature, votre deuxième nature. Vous êtes gentil, vous honorez d'autres personnes, vous honorez les uns les autres. Vous regardez, frère, vous voyez, ah, je sais, je connais quelque chose que cette soeur ne connaît pas. Peut-être elle peut faire aussi quelque chose que je ne peux pas faire. Maintenant, vous considérez ce que cette personne peut faire et ce que vous ne pouvez pas faire, et vous les honorez pour cela. Vous êtes fervent. Vous êtes fervent, tout ce que vous touchez, vous le faites, vous ne le faites pas de manière nonchalante, vous ne faites pas cela de manière hasardeuse, votre cœur, votre pensée est présente. Maintenant, ce n'est pas cela, vous servez, vous êtes patient dans les tribulations et vous donnez, vous êtes hospitalier. Tout ce que vous pouvez faire pour rendre la vie facile aux autres, tout ce que vous pouvez apporter pour rendre la vie chrétienne jouissable, intéressante pour les autres, vous êtes vraiment donateur, vous êtes doux, humble, vous êtes un homme de paix, vous êtes pacifique et vous êtes altruiste. Vous êtes altruiste, vous ne pensez pas à vous-même, vous dites, ah, qu'est-ce qu'il doit faire pour le rendre heureux, qu'est-ce qu'il doit faire pour l'amener à vouloir faire plus pour le Seigneur. Vous êtes heureux et vous servez d'autres personnes. La question qui se pose est où se trouvent ces saints-là? Où se trouvent de tels saints? Si nous avons de tels saints dans nos communautés, dans nos services, nous allons transformer la communauté. Voyons Romains chapitre 12, verset 17. Romains 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Nous vous, bien-aimés, enfants de Dieu, ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais fais quoi? Surmonte le mal par le bien. Permettez-moi de vous montrer quelques exemples de ces saints qui ont procédé de la sorte et ils ont eu un ministère positif. Et vous aurez un ministère positif. Genèse chapitre 50, verset. Genèse 50, verset 15. Genèse 50, verset 15. Genèse 50, verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Ouais, ils se sont rendus compte qu'ils ont mal fait. Ils ont fait du mal à Joseph. Comment Joseph allait-il réagir? Comment allait-il aussi jouer son propre jeu? Voyons le verset 19. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu pour me venger de vous? Suis-je à la place de Dieu pour vous juger? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Pour sauver la vie à un peuple nombreux, il dit, moi, ma mission, c'est de sauver. Mon don, c'est pour sauver un grand nombre de personnes. J'ai oublié le passé. Je prendrai soin de vous. Il n'y a rien. Il n'y a rien à craindre de votre part. Romains 12 nous disait que peu importe ce que les gens ont fait contre nous, nous devons avoir la pensée de servir pour que nous soyons, vous soyez une telle personne sauvée qui amène d'autres à être sauvés dans le royaume au nom de Jésus. Voyons Exode 32. Exode 32, verset 9. Exode 32, verset 9. Exode 32, verset 9. Nous voyons Dieu qui parle ici. L'Éternel dit à Moïse,
Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Souvenez-vous de ce que Romains 12 nous dit, que n'aspirez pas aux choses élevées, mais préférez la bénédiction des autres. Vous n'allez pas répliquer. Voyez ce que ces gens avaient fait. Ils ont détruit tous les efforts, tout l'investissement de Moïse quand il était allé à la montagne. Maintenant, Dieu a dit, oh, laisse-moi les détruire et je ferai de toi une grande nation. Verset 11. Moïse implora l'Éternel son Dieu. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi, maintenant, il dit, verset 13, verset 14, l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Il aurait dit, ah, c'est bien, oui, tu dis vrai, hein? Ils sont rebelles, ils sont vraiment désobéissants. Voici ce qu'ils ont fait, ils sont allés adorer l'idole. Et Dieu veut les détruire, moi. Et il veut faire de moi maintenant une grande nation, une nation meilleure. Moïse dit non, moi je ne veux pas être une grande nation au dépens de ces gens-là. Pardonne-le. C'est de la même manière que nous devons utiliser notre don. Nous utilisons nos dons pour rendre les autres agréables à Dieu. Voyons Psaume chapitre 35. Psaume 35, verset 11. Psaume 35, verset 11. Psaume 35, verset 11. Psaume 35, verset 11. Des faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Souvenez-vous, lorsqu'ils vous maudissent, vous bénissez. Lorsqu'ils vous persécutent, vous priez pour eux. Vous n'allez pas répliquer. Le psalmiste dit, de faux témoins se lèvent. Et ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Verset 12, verset 13. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. Quelqu'un malade dans le district. Quelqu'un a-t-il un problème dans le district? Et maintenant, il vous appelle. Pasteur, pasteur, viens voir cette personne. Ah, c'est qui ça? C'est tel frère, tel tel. Lui, il ne vient jamais à la réunion des ouvriers. Il n'écoute même pas le leadership. Quand on dit, nous allons faire ceci, il ne contribue rien maintenant. Maintenant, il est malade et il cherche de l'aide. Va lui dire, tout ce que vous semez, c'est ça que vous moissonnez. Comme tu nous as laissé dans le district, et maintenant tu avais le portrait de faire ceci et tu ne l'as pas fait. Mais nous n'allons pas aussi te donner quelque chose. Et Moïse, il dit non. David dit non. Ils sont contre moi. Ils me rendent le mal. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Verset 14. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Ils agissaient à mon égard comme des ennemis. Ils agissaient comme, non, je m'en fous du progrès du district, je m'en fous du progrès de l'État, de l'œuvre de l'État. Il dit, comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. C'est de cette manière que nous devons agir. C'est de cette manière que nous devons accomplir l'œuvre de Dieu, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'ils ont fait et que nous ne sommes pas contents d'eux. Nous devons dire, nous sommes sauvés, oui. Je dois servir, je vais tout de même servir, je dois rendre mon don profitable pour aider l'église de Dieu vivant et pour aider également le peuple de Dieu. Dieu te donnera plus de grâce. Je dis, Dieu me donnera plus de grâce. Ah, regardez ce amen. Nous nous servirons les uns les autres de manière profitable au nom de Jésus. Voyez 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, verset 15. 2 Corinthiens 12, verset 15. Pour moi,
je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes, dussé-je en vous aimant davantage être moins aimé de vous. Ça, il s'agit là de l'attitude d'un vrai croyant, d'un vrai ministre, même si les gens vous aiment moins, même lorsque les gens s'élèvent contre vous, mais lorsqu'ils ont des problèmes, vous devez les servir. Votre don doit les servir. Vous voyez, rappelez-vous que la pluie tombe sur les justes et les injustes. N'êtes-vous pas content que les plantes, tous les bétails nous servent? Ces bétails ne disent pas que nous soyons des gens qui sourient ou pas. Toutes choses autour de nous nous servent. Le soleil brille sur tout le monde. Notre don sera ainsi. Vous n'allez pas discriminer les gens en utilisant votre don. Vous ne serez pas partial dans l'utilisation de votre don. Vous allez vraiment produire quelque chose d'heureux, de joie dans la vie de tout le monde avec votre don au nom de Jésus. Et comme vous le faites, votre récompense sera grande. Sur la terre, le Seigneur va vous récompenser. Au ciel, le Seigneur va vous récompenser. Et tout ce que vous touchez par vos mains, tout cela va prospérer au nom de Jésus-Christ. Soyez disponible pour servir tout le monde. Et tout le monde sera disponible pour vous servir finalement au nom de Jésus. Nous considérons Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. La manière dont vous utilisez votre don, la manière dont vous utilisez votre talent, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ceux qui gardent son commandement, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Vous allez entrer au ciel à la fin des jours au nom de Jésus. Il s'agit des périodes de service. Les périodes de la récompense viennent bientôt. Levons-nous et parlons au Seigneur pour dire, Seigneur, je servirai le Seigneur. J'ai plus maintenant de compréhension. Je sais ce que le caractère doit être. Je sais ce que ma consécration doit être. Maintenant, je veux déposer tout mon don, soumettre tous mes dons pour servir Dieu, pour servir le peuple de Dieu et servir même le monde afin d'amener les gens au salut. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Je servirai. Je rendrai un service raisonnable, agréable, un service récompensé.